Y repito todo de corazón y prefiero ser honesto contigo directamente, empiezo por él. Por favor, deja de titular a ese tipo. Para, para, para. Te estás haciendo daño y nos haces daño a nosotros y le haces daño a él. Porque es un desastre, es un desastre, es un desastre, es demasiado un desastre, es demasiado un desastre. Es demasiado, no, de verdad, es demasiado, no, 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 en serio, en serio, no estoy bromeando. Es demasiado. comme il y que acceptons, un partido un mois, Bonjour à toutes et à tous les amis, bienvenue pour les débriefs de la victoire du Barça face au jeune garçon de Berne. Victoire 5-0, sans aucune bavure nette, sans transpirer, j'ai envie de dire. Ferran Torres, en fait, limite là, là, j'ai envie de vous laisser encore une fois avec Stan, si jamais Stan va faire le débrief parce que je sais qu'ils ont tapé le Paris Saint-Germain tout à l'heure. Mais Ferran Torres, moi, je pense que je baisse les bras. Et moi, j'en peux plus. La vérité, j'en peux plus. Je sais pas pour vous, mais Ferran Torres, je pense qu'on a touché le fond. Mais on continue encore à creuser, là. J'ai rarement vu un joueur aussi limité. Il est limité, il est limité dans tout ce qu'il fait. Et le pire, c'est qu'il n'a même pas de réussite parfois lorsqu'il tire les têtes sur les poteaux. Il y a rien qui va dans son sens. Je pense que Ferran Torres, on est arrivé au point où, à chaque match, il faudrait juste lui donner un carton rouge, en fait, pour nous soulager par rapport au prochain match. C'est très grave, c'est très grave, les amis. C'est très grave le niveau auquel il joue, là. Je ne sais, sais pas si, là, là, tu peux te permettre de faire tourner dans des matchs un peu pièges parce que c'est pas possible avec un mec comme ça Et tu es obligé de faire tourner au bout d'un moment là j'ai aimé ce que Flick a fait euh, durant ce match parce qu'il a sorti la mine à et euh, certains joueurs assez tôt dès que le match a été acquis pedri est sorti la mine est sortie euh, j'ai vu hector fort là aussi franchement qu'on m'explique qu'est-ce que gérard martin a de plus que hector fort s'il vous plaît dites-le moi en commentaire qu'est-ce que gérard martin ah, de plus que Hector Fort. Et Hector Fort, on le voit que ce soit à droite ou à gauche, il a joué au même niveau la saison dernière. Donc, tant ton flic, s'il te plaît, plus jamais de Gérard Martin, donne-nous plus de minutes. Hector Fort, c'est tout ce qu'on te demande. Donc, comme je l'ai dit, un match maîtrisé de bout en bout de la part du Barça. Le Barça n'a pas transpiré, sauf sur l'action où euh, le joueur, bah, après, transpirer, c'est un grand mot. Et voilà, au bout d'un moment, je veux dire, que tu es mené 5-0. La... Je pense aussi que c'est la première fois de ma vie que je vois une équipe menée 4-0. Il continue à poser le bus. T'es mené 4-0, t'as aucune ambition offensive. Toi, t'es là, t'as même pas un double ligne défensif, double rideau défensif. Non, 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 c'est double ligne de 4-5 devant. Waouh Waouh, les gars Vous êtes plongé à 5-0, vous repartez avec des regrets ce soir Non, parce que vous n'avez absolument rien proposé. Au moins, tu essayes de jouer, tu perds 5-0. Ok, tu te dis, on a essayé, ils étaient plus forts. Mais là, t'as rien essayé, t'as juste préféré... Poser le but, c'est te dire que au bout d'un an on va jouer nos coups à fond, mais c'est pas possible. Et j'ai aimé l'attitude du Barça, même si en première période, au bout d'un an, franchement, on s'est dit ça commençait un peu à être ennuyeux. Mais quand tu affrontes des blocs bas, des doubles rideaux défensifs comme celui de ce soir ou celui de mais ben, l'erreur justement, c'est d'essayer de balancer tout le temps des ballons. En fait, la bonne chose à faire, ce que le Barça a fait ce soir, ce que le Barça a fait contre Retafer, c'est-à-dire être patient. Être patient, garder le ballon, ne pas s'affoler, ne pas vouloir tout le temps balancer le ballon juste pour le perdre. Après, je trouve que le Barça a un peu manqué de vitesse dans les transmissions. Au bout d'un moment, je ne sais pas si Flick va en parler en conférence de presse tout à l'heure. Je trouve que dans les transmissions, parfois, c'était un peu lent. C'était, voilà, pas, a, c pas très rythmé en fait. Il y a moins d'intensité que les matchs où le Barça avait mis des scores, par exemple. Mais en fait, je suis là à chipoter en fait alors que le Barça vient de gagner 5-0. Je ne sais pas si on se rend compte, je viens de là, là, je suis en train de chipoter, alors que le Barça vient de foutre un 5-0. Alors oui, c'est vrai qu'il faut le préciser qu'en face, il ben, n'y avait rien. Cette équipe-là, des jeunes garçons de Berne, on ne va pas se mentir, ils n'ont rien proposé. Les sorties de balles, c'est laborieux, ils n'arrivent pas à faire deux, trois passes, ils comptaient en fait jouer sur la contre-attaque, mais même là, ils n'arrivaient à rien faire parce que le Barça arrivait à bien gérer les espaces. Et parlons, s'il vous plaît, du piège du hors-jeu. Oh la qui va me faire faire une crise cardiaque en séjour. C'est quoi ça <laughs> C'est malade mental. <laughs> Regardez-moi la ligne de hors-jeu, s'il vous plaît. Vers la, la fin de la première période, je me suis dit Mais attends, c'est quoi C'est du suicide mais après ça passe, la, ré la, la vérité, la, la preuve encore, tu regardes là vers la fin de, de, de match, même sur le but refusé euh, aux Young Boys de Berne, il était hors jeu là encore d'un de, de millimètres. Mais en fait là, je me dis, on joue un peu avec le feu, mais c'est assumé, en fait ça c'est le style de flic, c'est assumé. Ça là, je pense qu'il va le faire même lors du Classico, même contre le Bayern, parce que le Bayern aussi joue comme ça. Donc, ça sera de savoir qui sera le meilleur dans ce piège de hors-jeu-là. Le Barça, c'est l'équipe, je pense, qui piège le plus les équipes hors-jeu depuis le début de saison. Je pense que je n'ai jamais vu le Barça aussi haut de ma vie, en fait. Le Barça a déjà joué aussi haut, hein, par rapport avec les Luis Enrique, mais avec Xavi, pas mal de fois, même sous Pep. Mais là, là, <laughs> limite le piège du hors-jeu sur la ligne médiane. Là, en fait, le seul risque, c'est que si tu affrontes une équipe capable de manier un peu plus le ballon, mais ils ont des milieux qui ont une certaine posa, ils savent à quel moment faire des passes, ah ils peuvent te faire extrêmement mal, hein. ah ça peut te tuer, et ça ça me fait peur, je ne vois pas que ça me fait peur si demain t'affrontes du Vinicius, du Mbappé, qui sont très rapides dans la profondeur, franchement ça fait peur, mais pour l'instant ça passe, jusqu'à quand je sais pas, mais encore une fois, je suis là à chipoter, je vous ai dit les gars, 5-0, je sais pas, la flic il est en train de nous habituer, moi à titre personnel il est en train de m'habituer à quelque chose de mauvais. Là, là, on vient de gagner 5-0 et pas, je ne suis pas en fait dans l'extase. Vous, vous vous rappelez la saison dernière lorsque le Barça met 5-1 au, ils ils au Betis, ils enchaînent avec un 5-1 contre Antwerp en Ligue des Champions. J'étais comme un fou, j'étais un peu comme lors du 7-0 en fait. Mais là là, ça commence tellement à s'enchaîner les gros scores que pour moi, c'est devenu normal en fait. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la folie. C'est devenu normal de mettre un 5-0 maintenant à domicile face à une équipe contre laquelle tu es censé être supérieur. Ça, c'est censé être la norme au Barça. Ce qu'on a vu ce soir, c'est censé être la norme au Barça. Mais ce feeling-là, je l'avais perdu. Ce feeling de sentiment de supériorité, de, de, de dominance, de ne même pas forcer en fait pour tuer un adversaire, c'est ce que j'ai vu ce soir. Et le pire dans tout ça, c'est que si ce match se termine 7-1, ça ne choque absolument personne. Lewandowski, un doublé certes, mais il rate encore un hein, face à face. Il s'en met les pinceaux, il se fait rattraper, il cherche peut-être le pénau. Euh, Ansufati qui s'est rattrapé. Ansufati parlons en vite fait. Je ne veux, veux pas trop parler de lui parce que voilà, j'estime qu'il manque de rythme. J'ai envie de mettre ça sur le manque de rythme. Franchement, il a fait une belle passe à raffinia mais c'est quasiment tout. Mais le reste, c'était très 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 compliqué physiquement. J'espère que lorsque Ansiflik disait qu'il était surpris par Ansufati, c'était pas par sa nullité. <laughs> Je rigole. je rigole, je rigole, mais waouh, ce qu'on a vu ce soir, c'est vrai que ça fait peur, mais encore une fois, il revient de blessure, Donc, on va pas l'enterrer tout de suite, on va lui donner du temps, on va être patient avec lui, euh, mais voilà, il y a certaines actions, on va pas se mentir que Prime Ansufati, la dernière action, là, quand il veut se l'amener, il se fait rattraper, il fait le premier contrôle, le défenseur il le rattrape plus. Mais là, encore une fois, je ne vais pas trop m'avancer par rapport à An Il a besoin de retrouver de la confiance, il a besoin de retrouver euh, du rythme, tout ça. Donc, on ne va pas trop en parler. Frankie de Jong aussi qui est de retour, ça fait plaisir. Et ça, ça fait d'autant plus plaisir que maintenant, tu vas pouvoir encore mieux faire tourner. Parce que si tu as des options comme Frankie de Jong, tu vois le niveau auquel Cassado il joue. Tu te dis, mais c'est une bénédiction d'avoir un joueur pareil, Cassado. Cassado, voilà, il te permet de faire des matchs comme ça sans te dire que. Ah! Et tout le monde est absent, ça va être la, la galère, on va pas pouvoir créer quoi que ce soit. Il est en attaque, il est au milieu, il récupère des ballons, il est teigneux, il est important en fait, et cassado. Donc je ne sais pas là, comment ça va, ça va se passer lors des prochaines semaines, lorsque tout le monde sera de retour. Une chose est sûre, c'est que Cassado, il va faire du bien cette saison. Moi, j'ai vu beaucoup de gens me dire que oui, une fois que Frankie va revenir, les autres vont revenir, Cassado, on ne le verra plus. Je pense qu'on se trompe. On l'a vu ce soir, Flick, il sort des joueurs importants assez tôt. Il sort la mini ça c'est une bonne chose. Il sort la mini et Pedri assez tôt quand même. Le match, dès que le match est plié, il les sort. La mini qui a fait du sale au côté gauche de Young Boys, je pense qu'ils ont tous pris des cartons jaunes par là-bas. Là. Tout le monde là-bas à gauche, ils ont dû prendre des cartons jaunes. Même au bout d'un un petit geste flip-flap, euh, il essaie de se faire plaisir, mais attention quand même à ne pas trop tomber dans la caricature, même si voilà, ça reste un joueur exceptionnel, la mini -amale. Il fait un match, encore une fois, banal, 17 piges, mais un match où, voilà, il est au-dessus du lot sur l'ouverture du score. Le but collectif, c'est lui qui décale comme ça. Euh, Rafinha, je pense, ouais, Rafinha. Je ne sais plus si c'est lui qui décale Rafinha. Dites-moi dans les commentaires, je ne me rappelle plus. Il y a eu encore tellement plus trop de buts. Il y a tellement eu de buts en fait que je ne me rappelle plus tous les buts, les, les joueurs concernés. Mais voilà. La mal. gros match. Rafinha, parlons-en s'il vous plaît, Rafinha. Un but, une passe décisive. Il continue sur sa lancée du début de saison, tout simplement. J'ai vu quelqu'un qui est venu me dire tout à l'heure en commentaire Twitter, oui, Rafinha, on le voit que dans les petits matchs. Les gars, il sort d'un doublé face au PSG à l'aller. Plus un but face au PSG au retour la saison dernière. Si Araro fait pas le con, Rafinha, il nous qualifie quasiment à lui tout seul face au Paris Saint-Germain. Donc un peu de reconnaissance là, parce que j'ai vu ici, même Dembélé, il y a encore des personnes à la commune, je pense qu'il y a des personnes qui aimeraient limite leur avoir Dembélé. Pour eux, ce n'est pas assez. Il est, il est Le mec, il a 27 piges, il est encore puni. À 27 piges, il est encore puni. Son équipe se fait taper 2-0, tu peux même pas compter sur lui parce qu'il n'est pas fiable. Ce n'est pas un professionnel fiable. D'accord. Moi, je préfère avoir un Rafinha un milliard de fois que d'avoir Dembélé parce que je sais que lorsqu'il aura des occasions franches, en règle générale, lui il va pas les envoyer dans le ciel. Donc moi, je préfère avoir un capitaine comme ça qui montre l'exemple de par son football, qui montre l'exemple de par son attitude sur le terrain, même à 4-0, 5-0, il est là pressé. Et j'ai aimé le fait que Frank de Jong lui laisse le brassard de capitaine sur ce match parce qu'il le méritait. Franchement, ça c'est un meneur d'homme. J'aime voir un joueur comme ça dans mon équipe. Il va rater des choses, il va rater des matchs, il n'y a pas de souci. Mais il est toujours là, il va toujours tout donner. Et c'est ce que je demande à un capitaine. Donc merci les Dembélé, les Dembouzlovers et tout. Là. On n'est pas du tout dans le même bateau. Allez-y avec lui au Paris Saint-Germain ou dans le club où dans lequel il joue. Mais moi, je ne regrette absolument pas son départ. Bien au contraire, parce que grâce à lui, tu as la mini Mal, tu as l'éclosion de Raffinia. Donc merci encore une fois, Monsieur Ousmane, Pedri Pedri, 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 Pedri. <laughs> Pedri il sort avec une passe décisive ce soir les amis. Mais il sort avec trois passes décisives, ça ne choque absolument personne. Parce que la Miniamal Bikrav une de ses passes, parce que Lewandowski, Bikrav une de ses passes, même Rafinha je pense Bikrav une de ses passes. Il sort avec quatre passes décisives, en fait ça ne choque personne. Mais là on parle de statistiques. Mais Pedri, ce qu'il fait sur un terrain de football, ce qu'il fait ce soir, c'est une masterclass. Il est revenu montrer au monde qui il est cette saison, j'ai l'impression. Depuis le début de saison, il est sur ces bases-là. Il est sur un niveau juste stratosphérique, Pedri. La beauté de la gestuelle. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui me l'ont dit, le jour de l'annonce de la retraite d'André Iniesta. il te sort un match comme ça, un match de port comme ça. Dans la technique, dans les sorties de balles, dans, la, dans le contrôle du jeu, dans les dribbles, dans tout. Lorsqu'il dribble comme ça, Pedri, laisse tomber. C'est n'importe quoi le niveau auquel il joue actuellement. J'espère qu'il continuera comme ça parce que tu auras besoin d'un Pédri de ce niveau-là dans les gros matchs aussi. Parce que le Pédri que tu as là, là tu l'associes à un joueur comme Daniel Olmo lorsqu'il sera, sera de retour, tu l'associes à un mec comme Casado, Frankie de Jong, Mal, tout ça. Waouh! J'ai hâte de voir ça. Et donc globalement, encore une fois, bon match du Barça. C'était important de bien s'occuper de la différence de buts. Le Barça a mis 5 buts, n'en a encaissé aucun. Il y aura des équipes qui vont perdre encore une fois sur cette journée de Ligue des Champions. Tu n'affronteras pas les mêmes équipes en aller-retour. Donc c'est bien lorsque tu croises une équipe de lui mettre un tarif. Je suis un peu déçu contre toi, flic, ton flic, parce que je t'avais dit que je voulais un 10-0. Là, là, tu m'as habitué à des scores de 7-0 et tout. Je l'ai vu un peu <laughs> crier sur ses joueurs pour accélérer les ballons alors qu'on était à 4-0. Je pense qu'il voulait encore plus de buts, mais voilà. Je pense que le rythme, il a un peu baissé, le niveau est un peu baissé après le 5-0. C'est normal. J'ai envie de dire que tu vas pas tout le temps mettre de 7-0 ou de 8-0. Face à un bloc bas, en plus, face à un double rideau défensif. Franchement, c'était un gros match du Barça, sans forcer. Moi, c'est ça, en fait, qui me me fait encore plus plaisir c'est que ce soir j'ai pas eu l'impression que les joueurs ils aient forcé qu'ils aient couru de partout qu'ils aient lâché euh, de l'énergie comme pas possible sur le terrain ils ont joué à un bon niveau ils ont joué à leur rythme et ça les a pas empêchés de mettre un 5-0 à une équipe qui refusait le jeu c'est ce Barça là que j'ai envie de voir même le Barça en fait qui ne joue pas avec une intensité folle avec une telle facilité réussir à mettre un 5-0 un 4-0 à des équipes si tu es censé être supérieur à une équipe tu es censé la détruire comme ça sans forcer en fait et ça, là, ce que je vois, beaucoup de gens vont parler du fait justement que les Young Boys, ils ont mis le bus. Oui, ils ont mis le bus, ils jouent avec leurs armes. Mais de ne pas sortir au bout de 4-0, pour moi, c'est limite un, un, un signe de respect vis-à-vis -vis de ton adversaire. C'est que tu as tellement peur de te manger un 7-8-9-0 que tu te dis que dès que tu vas sortir, tu vas te manger en fait une volée. Donc pour moi, c'est une sorte de, de, de signe de respect. Ce, ce qu'on a vu de la part des, des joueurs de, 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 de Young Boys et de leur coach. Appelez-lui comme vous voulez, mais pour moi, c'est que tu es tellement terrorisé par ton adversaire que tu n'oses pas sortir, en fait. Même en sachant que le match, ça y est, il est mort pour toi. Ça, c'est le Barça que Philippe est en train de mettre en place. J'espère que ça va continuer comme ça. En tout cas, face aux petits, face aux plus petits, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se met en place et que, voilà, y a, y a mentalement, en tout cas, tu as cette sensation de domination que tu avais perdue. Donc, j'espère que ça va continuer comme ça. Euh, vous dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, les amis. La dernière fois, en plus, j'avais fait un débrief, J'arrêtais pas de bugger parce que j'avais pas arrêté. <laughs> de faire des cuts, mais j'ai oublié de faire les cuts justement un peu, un peu en publiant la vidéo, bref dites moi vous qu'est-ce que vous en pensez dans la, dans la vidéo dans les commentaires de la vidéo les amis on se retrouve très rapidement je pense pas qu'il y aura des enseignements demain mais on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo d'ici là prenez tous soin de vous et à très vite